Camilla Parker Bowles ne pardonnera jamais à Meghan Markle après qu'elle et son mari le prince Harry ont quitté la famille royale, a affirmé une source royale. Harry et Meghan ont vécu une relation tendue avec le cabinet après avoir quitté leur fonction royale en janvier de l'année dernière. Le couple a intensifié les tensions après avoir vivement critiqué la vie royale et fait un certain nombre de réclamations contre la famille dans une interview de 2 heures sur CBS avec Oprah. Dans la tristement célèbre interview, Harry a affirmé que le prince Charles l'avait interrompu financièrement et avait cessé de prendre ses appels. Puis, dans le documentaire Apple TV plus The Me Who Can See, publié un mois plus tard, le duc de Sussex a critiqué la façon dont Charles lui a permis d'être exposé à l'examen des médias en grandissant. Il a déclaré, « Mon père me disait quand j'étais plus jeune, il disait à la fois à William et à moi, « Eh bien, c'était comme ça pour moi, alors ça va être comme ça pour toi, cela n'a pas de sens. » Ce n'est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir. La sortie acrimonieuse de Harry et Meghan est intervenue pendant une période tumultueuse pour la famille royale. Camilla, dont le mari Charles est l'héritier du trône, ne pardonnerait apparemment jamais à Harry et Meghan d'avoir quitté le cabinet. Dans un article du Télégraphe publié en août, une source a affirmé à la journaliste Camilla Tomaine, « Je ne pense pas que la duchesse pardonnera jamais à Meghan ce qu'elle a fait au prince de Galles. » Le palais de Buckingham a déclaré dans diverses déclarations que le duc et la duchesse de Sussex restaient des membres très aimés de la famille. La source a ajouté, quand Charles deviendra roi, elle comprendra le besoin d'être à ses côtés et je ne pense pas qu'elle soit intimidée par cela. Il n'est pas exagéré de dire qu'elle a été son rocher tout au long de cette crise. Camilla est devenue une figure plus populaire et centrale de la famille royale au cours des 18 derniers mois, et selon un sondage YouGov publié en août, elle est le 10e membre le plus populaire du cabinet.